accompagné d'un système d'engrenage en accélération, donc un petit roulis au vent, ce qui va lui permettre d'accélérer, d'aller plus vite que les autres robots. Également un système de pivot, le robot va tourner, et ici un capteur de couleur, quand lorsqu'il voit du rouge, il va s'arrêter, et un capteur de mouvement et de présence, qui lorsqu'il va détecter un obstacle devant soi, va reculer et changer de trajectoire. Je vais servir d'obstacle. Ça a la capacité du robot à éviter les obstacles. Avec les petits gyrophares en live. C'est pour ça que c'est un petit peu.